peintre norvégien Torbjørn Mustad, âgé de seulement 34 ans, expose en ce moment dans l'atrium du casino. Son travail figuratif tient à la fois du fantastique et de l'humour. Torbjørn Mustad considère qu'il ne travaille pas, mais qu'il salit la toile blanche. De la rendre subjectif, alors qu'elle était au départ très très bien. Et au fur et à mesure que je commence, j'enlève et je me mêle dedans. Et ça, c'est pas bien. Mais comment et pourquoi peindre dans ce cas-là? Par obligation, par conviction. J'ai pas le choix. Il faut que je fasse quelque chose. Je ne sais pas faire autre chose, en fait. Si je savais faire autre chose, je l'aurais choisi. Et dans ces conditions, comment le peintre, qui se qualifie donc de salisseur de toile, travaille-t-il? Lorsque je vois le choix de motif, le motif que je dois faire, je ne comprends pas très bien. Et c'est au fur et à mesure que je trouve un titre. Mais je ne suis pour rien. Ce sont des images, des rêves éveillés, vous disiez. Voilà. Comme j'ai envie de passer de la pensée à la matière, en une millième de seconde, je reçois une image et j'essaye de trouver une toile qui convient à l'image. Et je retrouve l'image que j'ai vue. Et ça, c'est en étant réveillé. Ça ne vient pas du tout par les rêves. Et je crois que le message suit. Mais ça me dépasse, le message. J'ai essayé de écrire dans le catalogue des explications, mais je me trompe. Et par exemple, la toile derrière vous, qu'est-ce qu'elle pourrait vouloir dire? Une bonne question. Je crois que... Je peux me mêler intellectuellement dans le choix de motif, mais ça ne serait qu'une opinion subjective de ma part, personnellement. Et les toiles de Torbjørn Mustad sont visibles dans l'atrium du casino jusqu'au 19.